Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Sous ce titre un petit peu provocateur, je n'ai pas peur des limaces, eh bien je vous propose en réalité un focus sur ces gastéropodes qui vont être un petit peu d'actualité avec ce printemps là qui démarre et qui inquiète, on peut le dire comme ça, je pense, bon nombre de jardiniers. Ces limaces, selon moi, font partie intégrante de la biodiversité du jardin et le jardin n'est pas réellement concevable sans limaces. Alors plusieurs espèces de limaces, hein, avec des régimes alimentaires très différents, allant de débris végétaux, des végétaux vivants, en passant par les mousses, les champignons, les algues, et on peut même aussi évoquer quelques espèces carnivores et cannibales, hein, voilà, qui s'attaquent effectivement à des lombriques par exemple, mais également à d'autres limaces. D'ailleurs, bien que ça soit tout à fait exceptionnel, il y a une espèce qui s'appelle l'Arion Lusitanicus qui a été surprise, observée clairement en Pologne, en train de s'attaquer à un nid de fauvettes à tête noire, hein, et de s'attaquer donc aux oisillons, hein, clairement. Alors parmi les espèces les plus couramment rencontrées dans nos jardins, on peut citer par exemple l'arion rufus qui va faire quand même jusqu'à 10-15 cm, qui est généralement orangé, les teintes peuvent varier un petit peu, et qui a quand même la particularité aussi de se recroqueviller en demi-sphère en quelque sorte lorsqu'il est dérangé. On a ensuite l'arion hortensis qui lui est plutôt noirâtre et qui va faire 3 à 4 cm, sensiblement plus petit quand même, hein. Et enfin, Decoceras reticulatum, qui est une petite espèce également de 3-4 cm, un peu fripée, noirâtre, elle aussi, et qui a la particularité de laisser un mucus un peu blanchâtre derrière elle. Alors les limaces qui nous concernent au jardin se nourrissent essentiellement quand même de détritus et de déchets végétaux, de tissus végétaux morts en début de décomposition. Ça, c'est vraiment le régime alimentaire de prédilection de ces espèces, hein, que l'on rencontre au potager. En agissant de la sorte, elles évitent la propagation d'agents pathogènes, hein, qui se développeraient avec la putréfaction de ces végétaux, de ces débris végétaux. Un autre aspect très intéressant de la limace et de sa présence au jardin, c'est que ces limaces véhiculent avec elles, dans leur mucus, mais également dans les déjections qu'elles vont laisser derrière elles, eh bien des spores de champignons. Et je ne vais pas revenir là-dessus, on sait que les champignons nous intéressent grandement au jardin, hein. Et à ce titre-là, les limaces sont, on peut presque les qualifier finalement d'auxiliaires. En fait, voilà ce qui se passe dans un jardin pas suffisamment pourvoyeur en matière organique d'origine végétale en décomposition, en début de décomposition. Eh bien, les limaces vont se réorienter vers des jeunes tissus bien tendres, hein, notamment les plantules, en particulier les crucifères. Je reste donc convaincu que les attaques massives qu'on peut constater parfois au jardin sont les symptômes vraiment d'un déséquilibre écologique sur le potager. Alors au rayon de ce qu'on trouve, enfin ce qu'on entend, etc., comme moyen de lutter contre les limaces, il y a vraiment des choses qui marchent plus ou moins bien, il y a des choses vraiment complètement absurdes. Il ne faut pas utiliser de paillage. Enfin, bien sûr que si, quoi. Le paillage, les intérêts du paillage ne sont plus à démontrer, vraiment. Et si ça sert toutefois à abriter quelques limaces, ça va également les nourrir de toute façon, quoi. Donc il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Utiliser du purin de limaces. Enfin, je sais pas, mais vous voyez ramasser des limaces, alors la collecte, hein, il faut remplir tout un seau, vous pouvez y aller, hein, ça va vous prendre 3-4 semaines, laissez macérer tout ça, et puis utiliser des pièges à bière. Il s'avère que ça marche à peu près, hein. C'est vrai que la bière attire vraiment les limaces. Maintenant, d'ici à ce qu'elles se noient, il y en a finalement qu'une faible proportion, hein, qu'on retrouve dans les pièges à bière. Bon nombre réussissant quand même à boire et puis à se tailler aussi vite, hein. Il y a des vidéos qu'on trouve sur YouTube par exemple qui montrent ça très très bien, hein. Non, sérieux, la bière... On rigole pas avec ça, quoi. Oh, pardon. Les barrières de coquilles d'œufs, bon c'est pareil, hein, elles réussissent à passer, hein, c'est pas, voilà, c'est pas le piège ultime non plus, ça prend beaucoup de temps à mettre en place, on peut pas le faire sur des grandes surfaces finalement, voilà, c'est pas terrible. Les barrières de cendres à refaire dès qu'il y a eu un peu d'humidité, qu'il a plu, ou une rosée un peu forte, moyen également, hein. Alors parmi les choses les plus débiles que j'ai pu entendre ou lire, courir après les limaces et leur verser du sucre dessus, ça c'est complètement bizarre, et couper les limaces en deux avec une paire de ciseaux simplement quand on les rencontre. Bon, là c'est pour le moins barbare, et puis là encore l'impact réellement sur le potager est à mon avis tout à fait négligeable hein, finalement. Alors la première mesure prophylactique à mettre en place, évidemment, c'est de favoriser un maximum de biodiversité dans le jardin. Plus il y aura de biodiversité, Hervé Coves en parle très bien, et moins vous aurez de limaces, disons, agressives vis-à-vis de vos cultures. Ça, c'est une première chose. Un autre truc qui peut marcher aussi assez bien, c'est d'entourer vos plantations, disons, sensibles, telles que les crucifères, avec des alliacées, par exemple. Ail, oignon, échalote, le thym, la sauge, le fenouil, ça marche aussi très bien. Enfin, il y a quelque chose de vraiment fondamental à comprendre. Là encore, Hervé Coves en parle très bien dans la conférence qu'on peut d'ailleurs trouver sur YouTube également. C'est la fonction particulière que prennent les limaces dans l'écosystème que forme le jardin finalement. Cette fonction est mise en concurrence en quelque sorte avec ce que font les champignons également. C'est-à-dire que la consommation de lignine, de cellulose, etc. Se fait de pair par les limaces et par les champignons. Donc la suite est facile à comprendre. Plus il y aura de la place faite, accordée aux champignons dans le jardin, et moins les limaces auront besoin d'être présentes pour assurer cette fonction. Voilà, c'est tout simple. Donc l'idée, c'est de réfléchir eh bien, à comment est-ce qu'on peut favoriser la présence de champignons dans notre sol, enfin voilà, ou au potager d'une manière générale. Alors ça veut également dire, j'en profite pour le replacer peut-être, qu'il faut faire attention encore une fois à l'emploi de la bouillie bordelaise, qui est un fongicide qui ne discrimine pas les bons champignons, entre guillemets, des mauvais champignons, et qui, je le rappelle, est d'une efficacité tout à fait contestable sur le mildiou. Hein, l'agent responsable du mildiou, le Phytophthora infestans, étant un oomycète, plus proche finalement des algues brunes que des champignons. Hein. Donc voilà, un fongicide contre le mildiou, déjà en soi, ça peut avoir quelque chose d'assez surprenant finalement. Alors il y a encore des solutions aussi, si vous tenez à avoir peut-être un peu moins de limaces dans le potager, ce sont les paillages, en particulier le paillage par exemple de fougères, et la fougère aigle est tout à fait indiquée pour ça, les limaces n'apprécient pas du tout. Ça peut également être des aiguilles de conifères, de résineux, qui seront plutôt vertes à ce moment-là, utilisées en paillage également. Ça peut aussi être du BRF de robinier, hein, le robinia pseudo-acacia. Eh bien, voilà, ce BRF-là, ou ce broyage même, d'ailleurs en bois un peu plus grossier, n'est pas apprécié du tout des limaces. Ensuite, il y a encore des solutions au niveau des auxiliaires, les auxiliaires domestiques d'abord, les poules, les canards, en particulier les coureurs indiens se régalent vraiment de limaces. Il y a également les auxiliaires sauvages, évidemment, hérissons, orvets, crapauds, les oiseaux par exemple, il y en a d'autres encore, hein, ils sont nombreux à apprécier de consommer les gastéropodes, escargots, limaces, et si on leur ouvre la porte du potager, eh bien ma foi, c'est des organismes là qui peuvent nous rendre vraiment de gros services, en termes de régulation, pas d'élimination, hein, on est bien d'accord. Enfin, pour les pubricoleurs d'entre vous, il y a encore d'autres possibilités. Autour des encadrements en bois, par exemple, on peut venir eh bien poser des rails à placo à l'envers. Ça constitue vraiment une barrière infranchissable pour les limaces. Alors, ça sous-entend peut-être de ne pas avoir trop de longueur quand même à réaliser. On voit tourner également une vidéo de quelqu'un d'assez ingénieux qui a mis en place une barrière électrique. Vous avez bien entendu, une barrière électrique contre les limaces, donc constituée de fils électriques, là encore à poser contre le bois, hein, qui encadre les parcelles, à 4 ou 5 mm de décalage, hein, simplement. Le cuivre, donc qui est vendu sous forme de bandes, hein, qu'on peut utiliser aussi pour entourer les parcelles, bon, ça me paraît laborieux à mettre en place, un petit peu cher, je crois vraiment que c'est à réserver quand même aux petits jardins. Et il reste encore la bouteille en plastique, ça marche très très bien, surtout avec un tuteur qui permet de la maintenir eh bien droite au-dessus de la plantule qu'on souhaite protéger. Ça résiste au vent et puis voilà, c'est facile à mettre en œuvre et à retirer quand on n'en a plus besoin. Il se trouve que les limaces captent quelque part les signaux de stress chez les végétaux et les plantules ou les jeunes plants qu'on vient repiquer dans le jardin subissent effectivement un stress au moment du repiquage. Et il est intéressant à ce moment-là de venir les protéger de cette manière avec ces bouteilles d'eau par exemple, hein. Alors attention à tous les purins azotés, l'emploi de purins de consoude, de purins d'ortie, etc. Tous ces purins attirent clairement les limaces, d'accord. Les purins de rhubarbe, d'ail, par exemple, ou le purin de fougère, une fois encore, aurait plutôt tendance clairement à les repousser. Bon, il faut renouveler, hein, comme tous les traitements de ce type, il faut renouveler assez fréquemment l'opération, ceci dit. Ensuite, si vraiment vous êtes inféodé à l'emploi, je dirais, des pesticides, puisqu'il s'en est un, hein. Il y a le phosphate de fer, hein, connu sous le nom de Ferramol, autorisé en agriculture biologique aujourd'hui, reconnu comme étant eh bien non toxique aujourd'hui, hein, jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas, qui nécessite quand même de ne pas être appliqué à moins de 5 mètres de tout point d'eau. Voilà, mais qui présente un certain nombre d'avantages, il faut bien l'admettre. Une fois encore, si on se résout à chercher à empoisonner ces limaces plutôt qu'à cohabiter avec elles. Bien que le ferramol ne fasse pas l'objet d'un classement toxicologique aujourd'hui, il faut quand même savoir que ce produit, là encore, ne discrimine pas les différentes espèces de gastéropodes. Et il y a eh bien chez nous des gastéropodes qui sont protégés et qui peuvent être donc impactés par l'emploi de ce pesticide. Je pense par exemple à l'escargot de Quimper, qui est une espèce protégée et qui peut vraiment faire les frais de l'emploi de ferramol dans les potagers eh bien, qu'il pourrait fréquenter. Donc en vertu de tout ce que je viens de vous expliquer, vous avez bien compris que au potager qui dit non, l'emploi de produits, le piégeage, etc. c'est pas trop notre tasse de thé finalement. Alors comment est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est vraiment d'appréhender la limace comme étant partie intégrante, encore une fois, de tout un système, et on va s'attacher à garder un certain équilibre au sein de ce système. On va quand même prendre quelques précautions. Alors le paillage, chez nous, c'est oui. Les bouteilles d'eau au-dessus des plantules, c'est oui, et avec un certain succès, hein, jusqu'à présent. On a subi quelques petites attaques, et encore je suis pas finalement sûr qu'il s'agisse de limaces, sur un poquet de petits pois, sur tous ceux qu'on a semés. Bon, je vois quelques feuilles un peu grignotées, quelques jeunes feuilles un peu grignotées. Il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer, on est tout à fait prêt, encore une fois, à concéder eh bien quelques pertes, hein, s'il le faut, c'est pas du tout un problème. Donc notre démarche va consister premièrement à nourrir ces limaces. Hein, il s'agit de les détourner de nos cultures, et le compostage de surface que l'on pratique depuis le début contribue largement à alimenter ces limaces et à les tenir un petit peu éloignés de nos jeunes plants, hein, par exemple. Ensuite, on va essayer de favoriser le développement des champignons au maximum. Alors ça passe par le foin, bien entendu, qui contient pas mal de lignine. Ça passe également par voilà notre broyat de bois, hein, qui vient dans nos allées. Et le crottin, hein, ces substances-là sont tout à fait favorables au développement des champignons. Et comme je le disais tout à l'heure, plus de champignons, moins de limaces. Voilà, je pense que toutes ces mesures conjuguées devraient être suffisantes eh bien pour nous permettre de vivre en harmonie avec les limaces sans trop de difficultés. L'avenir nous le dira. Encore une fois, tout ce qu'on met en place comme ça, ça va prendre du temps quand même à devenir efficient. Il ne faut pas oublier que le jardin a juste quelques mois aujourd'hui. Ça avance vite sur le plan visuel. On voit qu'on commence à aménager des choses, à planter, etc. C'est bien, mais l'écosystème, lui, va être un peu plus long quand même à trouver cet équilibre auquel on aspire, quoi, hein. Donc soyons patients, et puis n'oublions pas aussi que nous ne sommes qu'une parcelle qui borde environ 25 autres parcelles, quoi, hein. Et voilà, et notre politique n'est pas appliquée sur tous les jardins, et ça aussi, ça a son importance finalement, hein. Voilà, j'espère en tout cas que ce regard porté sur les limaces vous a un petit peu éclairé, si vous en aviez toutefois besoin. J'espère que vous avez peut-être trouvé des solutions. Et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.